je suis ravie de vous revoir. Alors aujourd'hui, une séance de renforcement musculaire pour tout le corps. Vous pouvez prendre des petites haltères, si vous n'en avez pas, des bouteilles d'eau feront l'affaire. Mais on commence tout de suite par un petit échauffement. Allez, c'est parti. Allez, pieds parallèles, largeur du bassin. On inspire, on se grandit. Et on souffle. Encore, inspirez. Et soufflez. On part en squat, petit squat. Les fesses en arrière. Encore 4, 3, 2, 1. On ouvre un petit peu plus les jambes et reprend. Toujours les pieds bien parallèles. 2, 1, on ouvre ici le pied droit, petite flexion. On ouvre le pied gauche, petite flexion. Et on fait à droite à gauche. Allez, un peu plus rapide. On reste au centre, on redescend, on remonte. Ici, le dos bien droit. Et on va taper sur le côté. Allez, on fléchit bien. Et on fait des cercles de bras. En step touch. Monte les bras en alternance au plafond. Et sur le côté. Sans monter les épaules, le ventre toujours serré, soupe sur les genoux. Et on va faire deux pas à droite, deux pas à gauche, toujours les genoux fléchis. Reste ici et dégage derrière. Les deux bras devant, hauteur du front. Oh là là, c'est difficile ce matin. Je cherche mes mots. Toujours les genoux fléchis. Et on va dégager sur le côté. Et bras sur le côté. Pivote bien la taille. Encore. 4, 3, 2 et step touch. Reprends deux pas et deux pas. On va rester ici et à nouveau dégage derrière. Avec les bras. Et on dégage sur le côté. Toujours avec le bras sur le côté. Encore 4, 3, 2 et step touch. On reprend nos deux pas. On fléchit bien. Et part en grab vine. On peut
rajouter un petit saut ici. Hop. Allez, dernier. Step touch. Marchez. Et ici, on inspire. Et soufflez. Allez, on va chercher ces haltères. Allez, les jambes écartées, les pieds bien parallèles. Vous allez prendre vos deux haltères dans la main droite. Et ici, vous allez descendre, toucher le pied opposé et monter les deux bras au plafond. On descend, on inspire, les fesses bien en arrière et on monte. On y va? Allez, hop. Et souffle. On n'oublie pas de souffler. Attention, toujours bien les fesses en arrière. Encore. Les deux derniers. Je crois que j'en ai fait un de plus. On reste ici. On attrape les deux haltères avec les deux mains, on rebaisse. Et ici, on va descendre, poser les mains au sol, les fesses bien en arrière, on pose les mains sur ces haltères, on allonge une jambe, on allonge l'autre. On tient. On ramène une jambe, on ramène l'autre, on reste en squat. On lève les bras. On pose les haltères. On retourne en planche. Allez, serrez bien le ventre. On ramène une jambe. On ramène l'autre. Et on déroule. On essaye l'autre côté. On prend dans la main gauche. Pieds bien ouverts. On y va. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. Reste. On attrape. On descend en squat, on pose au sol, on pose les mains, on allonge un pied, on allonge l'autre, on reste. Alors ici on peut fléchir, ramener en sautant, rester fléchi, monter les bras. Allez, on tient, on tient, on tient. On repose. Et on repart en planche. On saute. Et on déroule. Allez, on va chercher son tapis. Allez, on commence tout simplement. Sur les genoux, vous allez monter un bras, une ou deux haltères comme vous voulez. On colle bien le bras au niveau de l'oreille. Et ici, on va travailler triceps. On fléchit et on tend au maximum. Inspire, souffle. On serre bien le ventre. On ne creuse pas le dos. On lâche pas les haltères sur la tête. Encore. Et quatre. 3, 2, 1 et relâchez. On change de côté. Tend bien le bras. Rapproche. On rapproche bien de l'oreille. On fléchit, on tend. Souffle.
Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Cette fois-ci, vous allez mettre les bras, les coudes bien haut et on retravaille à nouveau l'arrière des bras. Sans monter les épaules, on tend vers l'arrière. Les coudes ne bougent pas, juste tendre, fléchis. On tend maximum. On souffle, on tend. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. On se remet sur les orteils et tout simplement ici, on va monter et descendre. On frôle les talons et on remonte. On serre les fesses. Encore. Et les quatre derniers. 3, 2, et on reste. On pose les haltères. On va se mettre sur les coudes et décoller les genoux. On tient ici. Allez, comme là tout à l'heure, cette fois-ci sur les coudes. On ne creuse pas le dos, on ne monte pas les fesses. Allez, on tient, on tient. On repose. On va étirer un petit peu le dos ici. On ramène, on déroule. Et on va passer en position assise. Alors, les jambes comme vous voulez. En tailleur, tendu. On reprend ses haltères. On ouvre les bras sur le côté. On baisse bien ses épaules. On souffle, on tend. Sans monter les épaules. Allez, souffle. Encore 4, 3, 2, allez, le dernier, on y va, on relâche. Ici, on colle les coudes, on ramène. Allez, on travaille un petit peu les biceps, même si on les travaille tous les jours. Au quotidien, on utilise constamment ses biceps. Petit en haut, toujours le dos bien droit, le ventre serré, et on reprend. Quatre, trois, deux, un, on reste en haut. On monte les coudes ici, on tend les bras et on ferme, on ouvre, on ferme. Attention ici à ne pas monter les épaules. Encore 4, 3, 2, 1 et on repose. Allez, on pose ses haltères, on va se mettre sur le côté. On va s'allonger complètement. On allonge le bras ici, la tête sur le bras. On va mettre jambes à 45 degrés devant. La main, vous pouvez la poser devant ou sur les fesses. On va lever la jambe du dessus et lever la jambe du dessous. Et on fait des petits en haut. Allez, on serre au maximum le ventre. On garde l'équilibre. On reste en haut, on descend en dessous, on remonte. Encore 4, 3,
2, 1, on reste et on repose. On pose la tête sur la main, on ramène les deux genoux devant et ici on monte le genou, on pose. Les genoux sont bien perpendiculaires au buste. On monte le genou, on redescend, on souffle, on inspire. On reste en haut et petit vers l'épaule. Pied flex. Et on reprend ici, descend et monte. Allez, le genou toujours dans l'alignement du pied. 4, 3, 2, 1 et reposez. Et on change de côté. Et on fait une jolie ligne, on s'allonge sur le bras, on peut poser la main devant, on vient poser ses jambes à 45 degrés, on décolle la première jambe, on décolle la deuxième et des petits en haut. Allez, serrez bien le ventre. On descend la selle du dessous, on remonte. Encore. Quatre, trois, deux, et reste. Et on repose. On pose la tête, on ramène les genoux, et tout de suite, on y va. Hop, pied flex. Soufflez bien. Et on reste en haut. Petit vers l'épaule. Et on reprend ici. Descend et soufflez, monte. Et 4. 3. 2, 1 et relâchez. Allez, on passe sur le dos. Allez, sur le dos, on reprend ses haltères. On va monter les pieds au plafond, pieds flex. On va monter les bras au-dessus de la poitrine. Alors, on commence facile. Vous allez baisser un bras et jambes opposées. On plaque bien le dos au sol. Allez, on y va, un peu plus rapide. On souffle, on descend. On souffle, on descend. Dernier. On complique un petit peu. On descend les deux et on revient. Attention, on souffle pour ne pas creuser le dos. Si c'est trop difficile, vous lâchez les haltères ou sinon vous continuez en alternance. On revient, on relâche un peu les jambes, on relâche un peu les bras. On complique encore, on va décoller le buste, le haut du buste quand on revient. On y va, ici, on décolle, on pose, on décolle. Allez, vous choisissez l'option que vous voulez. Allez, les deux derniers.
On reste, on fléchit, on relâche le tout. Allez, on pose les haltères et on ramène les deux genoux à la poitrine. On souffle bien. Relâchez les épaules. Allez, on va étirer l'ensemble du corps. Vous allez ouvrir les bras sur le côté. Posez les genoux d'un côté. On revient au centre, une jambe à la fois. On repositionne bien son dos et on part de l'autre côté. On revient au centre. On attrape les deux genoux, on presse. On pose le pied gauche, on pose la cheville droite sur le genou et on ramène le tout à la poitrine. On repose, on décroise, on change de côté. On passe sur le côté ou on bascule pour revenir en position assise. Les jambes comme vous voulez. En inspirant, on se grandit. Et soufflez, relâchez. Posez la main droite au sol, inclinez vers la droite en ne décollant pas les fesses. On regarde devant, on ouvre la poitrine. On pousse sur la main, on revient. Encore, inspirez. Soufflez. On pose l'autre main au sol, on incline à gauche cette fois-ci. Et on revient. On attrape son coude droit, on ramène le bras vers soi, baissez bien vos épaules, ne tournez pas votre buste. On monte le bras au plafond, on fléchit, on attrape le coude, on pousse. Et relâchez. On change de côté, on inspire, on souffle, on ramène. On baisse ses épaules. Le bras, on fléchit, on pousse sur le coude. Et relâchez. Allez, encore une fois, on inspire, on se grandit. On souffle, on fait le dos rond. On inspire, on ouvre bien les bras. On sort la poitrine, on ferme ses omoplates et on relâche le tout. Et voilà, notre séance de renforcement musculaire est terminée. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve samedi, cette fois-ci avec une vidéo diététique. Pourquoi faut-il limiter le sucre ? Allez, à très vite, je vous embrasse.